Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing de la box découverte de Katz. Il s'agit d'une box par abonnement, du coup, qui propose des produits alimentaires pour chats, donc pâté et croquettes. Sachant que Pix est assez pointilleux sur les croquettes, donc on va rester sur le Purina. Et donc, je lui ai quand même pris le mixte pâté et croquettes. On va voir si toutefois, un jour, on a de la chance. Bon, déjà, j'aime pas trop la façon dont c'est emballé parce que ça fait des miettes de partout. Alors, c'est peut-être écolo. Je sais pas. Du coup, là, j'ai eu la box pour 15 jours. Donc, voilà, ça, s'il vous parle. Qu'est-ce qu'il faut conserver? 4 degrés. Ah, après ouverture. Parce que je me disais, je ne l'ai pas reçu en réfrigéré, je le récupère en poire. Donc, elle a le programme. Pix, il a eu le programme en super mixte. Ouais, du coup, il aura un pochon par jour et 30 grammes de croquettes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être un tapis. Alors, oui, je confirme, c'est bien un tapis en silicone, je pense. Antidérapant pour mettre les gamelles. Sachant que Pix, je vous montre un petit peu le petit coin de monsieur. Bon, c'est un peu le bordel, hein, parce que faudra que je lui éloigne la gamelle. Là, je la remets là, mais sinon, la journée... Il l'a vers le coin, son coin détente. Donc vers son lit, là, sa gamelle. Mais sinon, là, je l'ai remis là. Mais pour l'instant, là, c'est... Bon, c'est un petit peu étroit, mais bon, c'est en cours de réaménagement. Bref, pourquoi pas, une fois que j'aurai acheté le nouvel arbre à chat de Pix, de lui mettre ça au pied de l'arbre à chat pour qu'il puisse aussi avoir à manger vers l'arbre à chat. Sachant qu'il a un coin croquette, un coin herbe à chat. L'herbe à chat, d'habitude, il n'est pas là. On l'a encore changé de place. Bon. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des petites balles en jouets. Donc, Pix, il a déjà quand même beaucoup de jouets. Donc, dans l'immédiat, je ne lui donnerai pas. Mais bien sûr, il en profitera. Ensuite, on a des petits papiers. En fait, je crois que c'est pour nous parler du programme Katz. Donc après, moi, c'est pas un programme que je compte lui faire de façon assidue. Moi, c'est surtout pour lui diversifier son alimentation, car le vétérinaire ne veut pas qu'il ait trop de pâtés. Donc du coup, je lui donne des pâtés comme... pas de façon alimentaire, mais comme des friandises. Du coup, donc, croquettes sans céréales, au poids, graines de lin, yucco, je sais pas, yucco, c'est... Je sais pas trop ce que c'est. Des carottes. Et du coup, là, on a des effilochés. Pâté effiloché. Et puis, je pense que ça, c'est ce qui est rentré pas dans la boîte que l'on m'a mis là. Ouais, c'est tout. Non. Ouais, c'est tout poulet. Non. Ça, c'est saumon poulet. Et ça, c'est poulet, du coup. Ok. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est un sachet pour fermer les croquettes. Quand on a entamé le paquet. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, c'est Monsieur Pix qui donnera son approbation. Donc, on a reçu... Donc là, j'en ai eu pour 9 euros, donc c'est clairement raisonnable. Je sais que c'est beaucoup plus cher à l'abonnement, parce que là, c'est la box découverte. Mais voilà, pour 9 euros, ça donne envie quand même de poursuivre avec eux. Dans tous les cas, moi, il y a quand même deux critères qui priment pour savoir si je maintiens un abonnement ou pas. Le premier, c'est déjà si ça plaît à Pix. Et le deuxième, c'est le prix. Et puis après, le troisième critère, si on peut en rajouter un, c'est la praticité de l'abonnement, de comment le suspendre, comment le résilier, comment le modifier. Voilà, c'est tout pour ce unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye !